Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video. No es de UHC, es un video de Gladiators. A ver, mirad, el juego que vamos a jugar es un juego un poco desconocido de Epicube, pero es bastante nuevo. Es aquí, es el item frame que está aquí, se llama Gladiators. ¿Y cómo funciona? Funciona, tienes que cliquear en este aldeano y tienes que hacerte un kit. A ver, tienes 1000 puntos y tienes que comprar ítems, armadura, espada, encantamientos, todo, pociones. Y pues, por ejemplo, una espada de hierro cuesta 307 puntos. Entonces, tienes que comprar todo eso y tienes 1000 puntos. Y cuando tienes tus 1000 puntos, tienes un kit. Por ejemplo, yo tengo el kit que uso y que muchísima gente usa. Porque es el kit básico de Rushul que es muy bueno. Es una espada de hierro Sharpness 2. Un casco de oro Protection 3. El casco de oro protege lo mismo que un casco de hierro, y es menos caro por eso. Botas y pantalones de hierro protección 2, un peto sin encantamientos, y pociones de velocidad o de regeneración. Yo tengo un poco de los dos, y un poco de comida. Y voy a mostrar cómo usa este juego. Os voy a mostrar cómo es una partida normal. Y después os voy a explicar cómo. ¿Cómo voy a encontrar una táctica para ganar casi todos los gladiators? Como pueden ver, este jugador tenía exactamente el mismo kit que yo, sino que él tenía manzanas de oro y no tenía tantas pociones, creo. Y maintenant, je vais vous expliquer la faille de Gladiators et comment gagner facilement. Alors, si vous savez pas, il y a un timer à la droite. Et au bout de 1 minute 30, si le combat n'est pas terminé, la règle est que le joueur le plus proche du centre gagne la partie. Et ça, j'ai réussi à l'exploiter. Donc en fait, le principe, c'est de survivre pendant 1 minute 30 et au dernier moment, d'arriver au centre et de gagner. Alors, tout d'abord, on peut acheter des enderperles, mais on peut utiliser une seule enderperle par round et on ne peut pas utiliser d'enderperles dans les 15 dernières secondes. Donc c'est pas possible de se téléporter juste au centre à la dernière seconde, j'ai déjà essayé. Mais j'ai créé un kit adapté à cette stratégie que je vous montre tout de suite. Dans cette partie, j'étais en quart de finale contre Gep et j'avais mon kit troll, comme j'aime l'appeler. Donc le principe, c'est de camper pendant 1 minute 30. Alors pour ça, vous pouvez utiliser une enderpearl et aller dans les recoins de la map où vous ne pouvez pas être atteint. Alors, le truc, c'est que si votre ennemi a un arc, et bah ça peut très mal se passer parce que le kit coûte assez cher et du coup, on a très peu d'armure et un arc, bah ça peut être fatal. Donc comme vous voyez, Gep ne peut rien faire, il me regarde impuissant. Alors dans ce kit j'ai 4 enderpearls parce que dans un 1v1 Gladiators il y a maximum 4 combats donc je peux fuir 4 fois. Et de toute façon je peux pas utiliser plus de 1 enderpearl par combat, du coup bah 4 c'est juste la meilleure option. J'ai une épée en bois pour qu'elle coûte moins cher avec knockback 1. Une épée en bois avec knockback 2 est possible mais dans ce cas là on n'a pas d'armure et sans armure à la fin c'est vraiment chaud. Comme vous voyez ici Gep utilise sa canne à pêche mais bon ça me fait rien à part baisser un peu la durabilité de mon armure. Et j'ai un arc avec 16 flèches, les flèches coûtent extrêmement cher, avec punch 1, et vous allez voir son utilité dans quelques instants. Alors quand la fin du timer s'approche, je prends une pomme d'or, et quand il reste exactement 15 secondes, je prends une potion de speed 2, parce qu'elle dure exactement 15 secondes. Et là, l'objectif, c'est avec l'arc et l'épée de faire dégager Gep du centre, et qu'à la seconde 0 du timer, ça soit moi le plus proche. Donc pour ça, j'utilise mon punch, j'utilise mon épée knockback, j'espère ne pas mourir avec le peu d'armure que j'ai, et voilà. Et voilà, GG, j'ai gagné! Comme vous pouvez voir, le chat est en folie, tout le monde m'adore! Voilà, pauvre Gep, je suis désolé, je t'aime. Beaucoup vont me dire que c'est une technique de campeur, une technique d'anti-jeu. Et ouais, c'est totalement vrai. Mais bon, je trouve que c'est pas très intéressant que tout le monde prenne exactement le même kit, que ça soit juste un combat de speed 2 régénération avec Charmness 2 fer. Du coup, bon, j'exploite le jeu. Je trouve ça marrant que j'ai trouvé une règle pour gagner autrement que juste gagner le fight, voilà. Après, c'est pas si facile que ça, faut trouver dans toutes les maps un petit spot,
Donc j'ai quand même pas mal joué pour trouver des spots à chaque fois. Sachant que Epicube a trouvé des manières d'empêcher ça. Donc c'est pas si cheaté que ça. C'est-à-dire que dans la plupart des maps, il y a des zones où on n'a pas le droit d'accéder. Sinon on meurt par du Wither. Il y a souvent des plafonds de verre qui nous empêchent d'accéder à des endroits inaccessibles sans Ender Pearl. Et bon, je vous rappelle quand même qu'on a très peu d'armure et qu'un mec avec des flèches, bah, il nous tue direct. Donc voilà, c'est pas non plus trop cheaté. Faut un peu gérer à la fin. Comme vous pouvez voir là, bah, j'ai pas trop géré et le mec il m'a tué avant que j'atteigne le centre. Donc voilà, c'est une autre stratégie que de tuer le mec. Moi je trouve ça intéressant. Et surtout à plusieurs, c'est super marrant. Et là je vous laisse avec des clips avec Wolf, El Rey Violador. Je précise qu'on était en slash nick et avec des skins différents, juste pour le fun. Ok, faut tester. For the victory. Ok. Ah mais moi j'aurais pas la place du coup. Si, Attends, si, tu faut que peux, je tu me peux, tu coupe. peux. Ah, non! Ah, raté. Non. T'inquiète, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu, grâce à toi. Ah, par contre, il va essayer de me rod, le mec, je suppose. Tu fais victime. Ah, il essaye de me taper à travers le truc, c'est trop flippant. Ouais, je sais, je vois. Ah, je vois les blocs se casser en dessous de moi. Ou Alors, alors, faut j'aurais. que tu te mettes en dessous du truc. Alors, si t'es pile en dessous. Oh, what? What? Il fait comment? Ah, Ah oui, d'accord, ok, il a un endroit où il peut taper en fait. ah, il doit sauter. Ouais. Oh. Ah, au score! Ah, bah Ok. attends, c'est la fin, c'est bon. C'est bon, mais ils vont se concentrer sur ça. Du coup, moi, je vais pouvoir y aller tranquille. Ils sont cons. Attends, genre, 7, 5 secondes. yes. merde, je sais pas où aller là. Ah oh, putain, faut aller au middle, faut aller au middle, faut aller au middle. Ok, j'y suis. Enderperm. Putain! Aïe. Oh putain, le poussi, je suis mort. Est-ce que je suis hors zone là? Oh, je suis pas hors zone, mec. What? Putain, je vais pas pouvoir sortir! Il faut que je bloque. Presse une fois et ça dérange. Et saute dessus. Block jump. C'est bon, j'ai réussi. Voilà, c'est bon. Attends, mais je vais attendre. Bon, non, sur mon vu. Juste le bloc Oh. en one shot. En Ok, c'est bon. glitch. Voilà, et là t'attends là-haut. Par contre, il y a ce que de sauter dessus. Go 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 shun go shun go shun go shun go shun. On a gagné! On a gagné! On a gagné! Maintenant une autre partie, mais Wolf s'est trompé de kit et a pris son kit sérieux. T'inquiète, on gère. Putain, c'est complètement débile ce fight. C'est bon, je suis dans la zone. Ok. Ah, dommage, enfin bonne chance Wolf, tu vas y arriver. Tu niques, tu Nice. niques. Bon, il nique un peu là, mais. Non, ça va. Moi je peux tirer quelques flèches de loin. Le trigger par derrière. Ah c'est Magic, c'est Magic. C'est notre fan. Ah! Ah non Wolf! T'inquiète, faut que je tienne juste un peu. Bah franchement tu peux tuer le mec full cœur je pense. Mais il doit être full prod 4 hein. Ah non là je crois que c'est la fin. Ah, dommage. Ah, je suis désolé. Alors, slash Et l'autre il campe en gros. friend list. Ah, mais je peux pas voir, j'en ai combien? Genre, quand je vais slash friend list, t'as. Oh merde, 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 faut que je me brouille. Slash 4 le dernier moment, ça va être easy. Hop, toi tu dégages. Oh l'enfoiré, je trop bien! Non, non! On a gagné? Moi je vais sur l'arbre. MDR. Oh non Wolf. Attends, je suis en un contre 1. Ah, il fuit. L'autre il arrive. Vas-y nique-le, nique-le, nique-le. Ouais! Nice. Allez Wolf. Fuis, fuis si t'as besoin. Genre je peux venir moi. Ouais c'est trop tard, tu peux plus faire hein, mais. Oh! GG.
pire. Ah, c'est la finale, c'est la finale. Vas-y, cache-toi. Ouais. C'est bon. Vas-y, j'essaie d'en tuer un. Focus 1, et si j'arrive à le tuer... Ouais, ça va être facile après pour moi. Ouais, yes. GG. Résiste, résiste, fuis, fuis, fuis. Ouais, t'es en feu, ça va être chaud, mais... Pas, c'est vrai. Oh, il y a une canne. 1v1. Primea regla de Ipikube campea like Shadoon. Mec, il me dit, tu sais, il me reste 3 golden apple et 3 options de speed, genre. Prends déjà une golden apple, hein. Ouais, de toute façon, ça va être, là, ça va être l'heure, là. Putain. Putain, il reste au middle. Merde. Ça va être archi tendu. Allez, viens, viens, on va. Vous êtes cranc, ou... Il va attendre au middle, il va attendre au middle. Vas-y, vas-y. Easy! Déo 4, Diamond Noen. Oh là là là! Oh là là là! Oh là là là! Bon bah c'est bon, c'est fini là, c'est... on a gagné Epic Cube. Aquí os dejo con unos clips en solo probando este kit. Mais équipe, ok. N'est-ce pas le cas qu'il y a tout mal, mais le kit normal pour grabar une partie normale, comme hice al principio de la vidéo, pour montrer comment c'est. Et me equivoqué de kit, donc j'ai joué avec este. What the fuck? Mi armadura se va a romper. Y así se gana un gladiator, chicos. Oh, what the fuck, quoi. Lo que no me esperaba es que este tío tenía una Ender Pearl y se fue en el árbol para matarme. Jeje. ¿Cómo que hace Epicube? Attention, mesdames et messieurs. What the fuck? Ah, c'était. Non. Nice.